Nous sommes de retour après la pause. On va continuer de parler toujours du coronavirus. Une dizaine d'essais cliniques déjà en cours dans le monde. Il existe une centaine de projets de vaccins anti-COVID-19, dont une dizaine en phase d'essais cliniques, selon les données diffusées par la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Cette école réputée de médecine britannique répertorie près de 120 projets différents de vaccins contre la maladie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, dont 110 à un stade de développement préclinique. Et 8 projets sont arrivés au stade des essais cliniques de phase 1 sur des êtres humains, dont parmi ceux-ci un projet chinois conduit notamment par l'entreprise cotée à Hong Kong, Can. Sinon, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, Sylvestre Vigny. Une bonne nouvelle? Non, moi je dirais non, parce que vous savez, il faut assez de temps, hein, il faut assez de temps donc pour trouver d'abord un vaccin, et avant de commencer par l'utiliser, il faut encore beaucoup plus de temps. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est pas pour notre COVID que tous ces efforts-là sont faits aujourd'hui, parce qu'il faudrait, hein, peut-être pour les années à venir, donc peut-être pour se promener contre, peut-être pour les années à venir. Mais sauf que, bon, on voit l'engouement, hein, l'engouement autour donc des chercheurs, des scientifiques, qui veulent aussi, chacun voulait également imprimer peut-être sa marque sur un vaccin, pour que peut-être demain, on puisse peut-être appeler son nom, tout ça. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits, mais bon, il faut, sauf que on doit encore attendre. On doit encore entendre, même si le Madagascar dit déjà trouver donc la solution miracle, hein, donc le Covid organique. Mais bon, il y a beaucoup, hein, tel que quand vous voyez l'histoire même de la peste, ils ont attendu beaucoup plus donc des années avant donc de voir. Mais ça n'a pas été aussi. C'est pas l'unanimité que les gens l'ont adopté, parce qu'actuellement encore, il y a encore et d'autres qui cherchent donc des vaccins contre la peste et tout. Donc je crois que il y aura toujours ce genre d'informations, mais on fera avec, juste au moment où on nous dit que voilà, ben, c'est en fait le vrai. Et puis bon, peut-être que le vrai, 2 ans ou 4 ans plus tard, on nous dira que ça présente des effets secondaires, ou il faut retourner et prendre peut-être l'autre de Y et recommencer. Donc ce sera ainsi. Mais bon, du moins, peut-être, si pour parler de bonnes nouvelles, oui, il y a des efforts qui sont faits, il y a de l'engouement autour pour avoir un vaccin, mais pour l'instant, donc, il faudrait qu'on puisse adopter les mesures barrières. C'est Ouais, la seule c'est la protection seule pour protection. le. De toute façon, Constant, les scientifiques sont unanimes là-dessus. Pour avoir un vaccin, c'est plus de 10 ans de recherche et d'études. Là, il y a aussi l'effet course contre la montre qui s'ajoute. Et donc, il y a des étapes qu'il faut brûler forcément. Oui, je pense que la lutte contre le coronavirus et les recherches scientifiques font face à l'urgence. C'est l'urgence qui oblige à publier rapidement les résultats des recherches. D'ailleurs, les essais cliniques dont nous parlons ici, ou du moins dont parlent les laboratoires et les compagnies de recherche, ce sont des informations, ce sont des publications précoces. Il n'y a pas encore suffisamment d'essais cliniques dont les résultats peuvent être plausibles, de sorte qu'on puisse dire oui, on a trouvé solution à ceci ou Il y a notre ami Didier Raoul, hein, qui parle cela. de chloroquine et tout ça. Oui, lui, il a dit ce qu'il a trouvé. Et il a essayé. Bon, il y a des conclusions positives, sauf que ce n'est pas totalement à 100%, mais seulement Je n'ai même pas un dans vaccin aussi. une situation pandémique telle la nôtre, eh bien, il faut choisir la meilleure solution. Il faut parler au plus pressé. Il faut sauver les vies humaines. C'est vrai, nous savons que la chloroquine a un gros effet négatif, un gros effet secondaire négatif sur l'organisme, mais il faut l'utiliser pour sauver les vies en attendant de lutter contre les effets secondaires. C'est très important. Et les plus
les meilleures nouvelles de recherche, c'est du côté de l'Afrique. Dans chaque pays, que ce soit les tradis thérapeutes ou bien les chercheurs embryonnaires, il y a quand même des découvertes intéressantes. Aujourd'hui, Madagascar est, disons, à la pointe de l'histoire. Du point de vue des recherches en médecine. La RDC avec un évêque qui dit avoir guéri le Cameroun. Le Cameroun. L'archevêque de Douala. Voilà, nous n'oublions personnes. Pas le Béninois. Oui, hein? Le docteur Agon. La Piviri. Je dis, via l'université du Togo, j'en parlais tout de suite avec le professeur Bakouma, qui dit qu'il y a des tests pour un probable remède local. Je disais tantôt, les dirigeants africains doivent saisir l'occasion pour se déterminer, pour prendre leurs responsabilités. Les pays africains n'ont pas besoin d'être toujours dépendants du oui ou du non occidental. Nous savons que c'est un enjeu économique énorme parce que ce sont les capitalistes qui entourent tous ces laboratoires, toutes ces firmes pharmaceutiques et une découverte en Afrique. Une découverte sérieuse va compromettre les intérêts de ces Occidentaux. Il faudrait nécessairement que les dirigeants africains comprennent qu'il faut soutenir la recherche en Afrique. Il faudrait aussi que les chercheurs aient confiance en eux-mêmes. Oui. En Afrique, les résultats des recherches de ceux qui ont le courage de le faire sont régulièrement contestés et même détruits par d'autres Africains qui font révérence à leurs maîtres occidentaux. Ce sont les médecins, les professeurs en médecine, dont les maîtres sont des Occidentaux, qui s'évertuent à démontrer que tout ce que leurs confrères chercheurs ou ce que les tradis thérapeutes découvrent, c'est mauvais. Parce que ce n'est pas certifié par leurs maîtres. Ils sont comme des outils de surveillance de ce qui est en Afrique avec la formule « ce qui est d'initiative africaine est mauvaise ». Tout ce qui vient de l'Occident, c'est ça qui est bon. Alors, quand il y a de ces défenseurs des firmes occidentales autour de nous et autour des initiatives africaines, eh bien, nous devons faire très attention et l'occasion nous est demandée, nous est donnée. L'occasion nous est donnée de prendre nos responsabilités, que les pays africains financent les recherches dans le domaine de la santé et bien dans d'autres domaines. Mais l'INSI, à l'université de Lomé, a initié la fabrication des respirateurs. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est passé sous silence. Qu'est-ce qu'on en fait ? On préfère commander les respirateurs de l'Occident à coût de dizaines de millions plutôt que de soutenir cette initiative locale, mais qui donne un bon résultat. On dirait que toujours on est au service de quelqu'un qui est loin de chez nous, plutôt que de faire vivre ce que utiliser ce que nous produisons et qui se révèle plus efficace. Tous les produits homologués par l'OMS, disons, par les firmes occidentales. Quel produit a dépassé 10 ans d'utilisation ? Je n'en ai pas vu. Toujours, on valide, on met en pharmacie et quelques années, on dit non, ce produit comporte des effets secondaires très nuisibles, il faut le retirer. En ce moment, on a déjà trouvé la formule du produit qui va le remplacer. Et tout vient de l'Occident. Le COVID organisme est contesté, non pas qu'on a démontré un effet secondaire nuisible à la santé humaine. Mais c'est parce que ça vient de l'Afrique. C'est parce que ça vient de l'Afrique. Ça vient d'un pays. Mais le président malgache l'a même dit. De l'Europe et des États-Unis. Tout simplement cela. C'est le crime, ça. Alors, les Africains ont le choix. Malheureusement, l'Union africaine, la CEDEAO, mettent un point d'interrogation devant cet exploit de Madagascar. Alors, quelle est la solution proposée par l'Occident ? Zéro. Rien n'est proposé, rien n'est découvert d'efficace, d'aussi efficace que COVID organiste. Mais
ceux qui n'ont rien trouvé, ils trouvent déjà que ce qui est bon et qui produit déjà des résultats est mauvais. Il faut s'en méfier. Mais quelle est la solution proposée en rechange? Rien. Alors, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Alors, là-dessus, j'essaie de faire un peu l'inventaire des essais cliniques, la dizaine en tout cas qu'on annonce. Il y a des essais en Chine, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a aux États-Unis, mais rien n'est dit sur les essais en Afrique. Je crois que ça résume ce que Constant Lemot vient de dire. Non, voilà, parce que ça vient de l'Afrique. Et puis tout le monde se dit, bon, tout ce qui vient de l'Afrique n'est pas tellement bon. Or, lorsqu'on dit, on parle de Samuel Eto'o aujourd'hui, on sait ce qu'il vaut de l'autre côté. Quand on parle d'un Didier Drogba, on sait ce qu'il vaut. Vous voyez, des gens qui peut-être ont appris à jouer, peut-être dans le sable et tout ça, et qui n'ont pas fait de grandes écoles, donc des écoles de foot, mais qui sont meilleurs de l'autre côté. Mais bon, si d'autres choses, bon, c'est parce que ça vient de l'Afrique. Et le président malgache l'a même dit. C'est parce que le Covid organique vient de l'Afrique qu'il y a tellement donc, de bruit autour. Si c'était de la France ou de la Grande-Bretagne ou autre, il n'y aurait pas assez de tollé autour. Ouais, donc, mais là où, du moins, la situation m'intrigue, c'est qu'au niveau de l'Afrique, il n'y a pas aussi d'initiative pour soutenir, en fait, le Madagascar. Et il n'y a qu'aujourd'hui le Sénégal qui a créé un pool donc, de scientifiques pour analyser ce que propose le Madagascar et voir dans quelle mesure ils peuvent également l'adopter. Mais au niveau donc, de l'Union africaine, rien, au niveau de la CDAO, la sous-région, rien n'est fait. Voyez-vous, donc c'est pourquoi je me dis que l'Africain attend toujours que cela soit prêt en Europe et qu'on envoie peut-être beaucoup plus tard. Pendant qu'eux, ils seront à la phase 2, on nous envoie la phase 1 et après, nous, on se contente. Et après, on nous dit, bon, vous laissez ça, vous prenez la phase 2, quand eux, ils seront déjà sur la phase 3. Donc, à un moment donné, il faudrait quand même qu'on puisse également et prendre des initiatives ici et louer cela. Pour faire peut-être le rapprochement, autant quand les Occidentaux ont envahi la Libye, il n'y a que deux présidents africains qui se sont levés contre cela. Il n'y a que deux, les autres se sont tués. Maintenant, aujourd'hui, la Libye est devenue donc presque une ruine. Et là, ça a créé quoi? Le terrorisme qui est déjà à nos portes aujourd'hui. Donc, les gens ne prennent pas d'initiative pour soutenir l'autre quand il est dans le pétrin ou quand il est dans le besoin. Mais après, donc, on se cherche, tout le monde se cherche. Pourquoi est-ce que depuis là, l'Union africaine n'a pas formé un pôle donc, de scientifiques pour prendre le produit donc, de malgache et voir en réalité qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je pense qu'au niveau de l'Union africaine, il y a un test qui est en train d'être fait, si je ne m'abuse, sur le Covid organisme. Ils ont annoncé quelque chose comme ça. Il y a des essais qui sont faits. Voilà. Donc, tel que tu l'as dit, ils ont annoncé quelque chose. Mais pour l'instant, moi, je ne sais même pas de quelque chose là-bas. La sortie officielle, c'est de dire, de se méfier de Covid. Voilà. Moi, c'est ce qu'on prouve. C'est la sortie officielle. Ils se comportent exactement comme l'efficacité. On aurait dit, OK, puisque c'est essayé et les résultats sont assez concluants, nous avons pris acte. Utilisons tout en continuant la recherche pour l'améliorer. C'est cela. Mais tout simplement, les deux sorties des organisations africaines ont dit de se méfier de Covid organisme. C'est ce qui est négatif. Quand vous dites rien n'est fait, quelque chose est fait. Ce qui est fait est de décourager l'utilisation de la découverte africaine. Il faut plutôt attendre la découverte européenne. Et du point de vue moral, il faut observer cette différence notoire entre la mentalité africaine devant la vie humaine et la mentalité occidentale. Le blanc s'en fout de la vie de l'autre. Il a des objectifs économiques à atteindre. Il est prêt à marcher sur les cadavres des autres pour atteindre son objectif. Mais l'Africain protège d'abord la vie. La vie est prioritaire. Et toute autre chose vient après. Voilà. Alors, si les dirigeants africains, les organisations régionales et sous-régionales veulent singer l'Europe ou veulent faire plaisir aux dirigeants européens avec qui, je ne sais, ils ont quel engagement ou quel contrat, je ne sais pas quel résultat ils veulent produire pour nos pays africains. Si les initiatives des Africains ne sont pas encouragées, je ne sais pas
s'ils sont à la solde de leur population ou bien ils sont là juste pour servir les firmes occidentales. À eux de répondre, à eux de choisir. Mais il faut également convenir que l'Africain aussi en soi et n'a pas quand même, je sais pas si c'est cette capacité ou n'aime pas aussi louer les produits africains. Ouais. Je vous dis, si demain on vous dit que le pôle scientifique créé par le Togo, qu'ils nous disent que oui, ils ont trouvé un remède local, je vous dis que c'est nous-mêmes qui allons déjà tirer sur ça d'abord, sans que nous ne soyons même pas à mesure de produire ne serait-ce que le cas de ce qu'ils ont trouvé. Ceux qui sont autorisés à prendre la parole sont préparés pour détruire. Voilà. Sur ce plateau, ceux qui attendent, vous et nous, ce que nous disons ici, ils croient. Mmh. On dira, c'est ce que Samuel a dit. Ou c'est Samuel qui l'a dit. Donc c'est vrai. Quand on prend les grands professeurs de médecine, ils disent, c'est tel professeur qui a dit ceci. Donc c'est bon. Ou bien, donc c'est mauvais. C'est cela la réalité africaine. Ce n'est pas que l'Africain ne connaît pas la qualité. Mais lorsqu'il se réfère à une personne qui est censée dit la vérité, mais qui s'évertue à mentir, le mensonge passe. C'est ça l'effet de la communication. C'est ça l'effet de leader d'opinion. C'est ça. Mais l'autre chose, c'est qu'on nous a tellement abreuvés, ou sinon abrutis, à ne croire que ce qui vient de l'étranger, ce que le professeur étranger a dit, oui, a beaucoup plus de crédit que ce qu'un professeur d'ici à faire. Je te donne juste un exemple. Moi, j'aime ces détails-là. Stéphane Keshi, qui a presque le même diplôme que des entraîneurs étrangers, n'a pas été coté en Afrique, et comme peut-être on croit aujourd'hui à un club le roi. Or, les gens ont presque le même diplôme. Voyez-vous, donc aujourd'hui, l'Africain ne donne pas beaucoup plus de crédit à ce qui est fait. Quand on te dit que non, que c'est un écrivain togolais qui l'a dit, non, on préfère aller citer Aimé Césaire. On préfère aller citer Dubois, je ne sais pas, Léon, Gontran, Damar, je ne sais pas. C'est la mentalité colonialiste qui continue. Qui continue, c'est voilà. Il faut qu'on s'en débarrasse. Voilà. Ne me dites pas que le bon foufou de mon village est moins qualitatif que ce qui sort de Foufou Mix. Ou du moins d'une boîte de conserve. Les gens te diront que Foufou Mix est beaucoup plus bon parce que il y a tellement d'oxygène, il y a tout ça, il y a pas de sueur, tout ça. Donc il y a tellement en donc tout de cas, voilà. Donc c'est dommage, mais c'est la mentalité africaine qui fait que l'occasion est donnée aux Africains de prendre leurs responsabilités, de se valoriser et d'avancer par eux-mêmes et non par ce que pensent les autres. D'accord, monsieur. On part pour la pause et nous revenons dans quelques secondes. Continuer avec le tour.